Hello tout le monde, c'est Super Brioche et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Jak 2. On s'était laissé après avoir parcouru le temple de la montagne et récupéré les trois objets qu'on nous avait demandé. Donc je pense que... Oh, une très jolie vue sur la ville ici. Je pense qu'on va devoir retourner voir la petite vieille, on va quand même vérifier les missions avant de partir. Mission en cours, consulte Vin. Il ne propose pas de retourner voir la petite vieille chelou. Bah écoutez, on va peut-être aller voir Vin tout simplement, on verra après pour eux. Enfin je sais pas, c'est bizarre qu'on n'y retourne pas. Mais bon, retournons en ville déjà puisqu'on n'a plus rien à faire ici. Alors, une zone plutôt sympathique qui vous a bien plu. Moi aussi d'ailleurs. Mais retournons dans l'univers un peu froid de cette ville dangereuse. Bienvenue. Oui, d'accord, pas de soucis. Est-ce qu'il y a un petit véhicule qui traîne ici? J'imagine que non. Non, y a rien du tout. Ok, l'HDPVR commence déjà à péter un câble après 3 minutes. Même pas 3 minutes, ça fait une minute qu'on filme. Ça promet. Ça promet. Bon, c'est pas grave, je disais. On a toujours la mission de la fille là qui avait au stade qui nous a demandé de faire un truc à une tour, mais on peut pas y aller pour l'instant. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Allez, prends un petit véhicule, monsieur. On va regarder sur la carte où est-ce qu'il veut qu'on aille. Afficher la carte. Alors, on a des objectifs où? À la tour. Ça se trouve, c'est ça en fait. Vin, il est peut-être à la tour là. Vu qu'il n'y a aucun autre point à part les objectifs secondaires. On va aller au niveau de l'éclair qu'on voit à droite là-bas. Je pense qu'il y aura Vin. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'objectif au niveau de là où il y avait la petite vieille chelou et son piaf. Donc c'est bizarre. Mais bon, on va retourner à l'espèce d'éclair. On va voir ce qui se passe là-bas. Je pense qu'il y aura Vin. Bon, d'accord. Poussez-vous s'il vous plaît. Merci. Laissez-moi conduire. Allez, poussez-vous. Donc normalement ici c'est plutôt facile de conduire, mais bon. Voilà, ce que j'en dis, c'est que moi j'aurais toujours du mal, je crois. Pour toujours et à jamais, j'aurais du mal. Mais bon, pour l'instant la circulation est assez fluide ici, donc je devrais m'en sortir. Attention. Donc on va se faire un petit épisode de... Enfin, petit épisode, non justement, un grand épisode d'une quarantaine de minutes, comme au début, puisque là pour l'instant j'ai du temps. Surtout que la dernière fois on a fait du 26 minutes, donc faut que je me rattrape, hein. Faut que vous ayez du contenu quand même. Est-ce que c'est bien par ici? Oui, je crois. Alors, j'ai attiré l'attention des gardes, je sais pas trop comment. J'ai pas fait attention à qui j'avais... Enfin, à qui j'avais heurté. Attention aux légumes, les légumes c'est dangereux, les légumes sont vos pires ennemis. Hop, hop. Pour l'instant ça va, on gère. Par contre, quand on va retourner dans la ville, là c'est beaucoup plus étroit, il y a beaucoup plus de circulation, donc... attention. Attention, attention. Par contre, on va passer dans l'eau. L'eau, c'était une bonne idée. Fut un temps, je m'étais dit que c'était une bonne idée. Donc, allons-y. Ça m'étonnerait pas qu'un jour, on ait une mission dans le coin, parce que c'est vrai que... Bon, on fait pas grand-chose ici. Donc, à mon avis, un jour, on va devoir faire un truc ici. Déjà, il y a des panneaux de missions secondaires, donc... Oh là là! Reste dans l'eau, on a dit. Alors, la tour, on devrait s'en approcher pas mal, là. J'espère que j'ai raison. J'espère que c'est bien Vin qui est là-bas, sinon je me souviens à peu près où on l'avait laissé, Vin, donc... si c'est pas ça, bah on le trouvera quand même. Mais normalement, on approche. Allez, on y va. Hop. On évite de rentrer dans trop de monde. Même dans personne, c'est pour être intéressant. Voilà, on arrive là. Sors de là. Alors, Vin. Est-ce que tu es là? Vin, vieux frère, on a besoin de vous. Inutile, je ne peux rien faire pour votre facture d'écho. Il faut que vous activiez pour nous l'ascenseur d'accès de l'une des tours piliers du palais. Quoi? Celui du vieux réseau de la zone B? Mais ça fait des années qu'il ne marche plus. Bon, si c'est trop dur pour vous, je comprends. L'énergie, c'est compliqué. Compliqué? Oh, il suffirait de faire passer les conduits de la zone B par le réseau de dérivation, chanter après les anneaux d'écho pour connecter les tubes d'induction en série, repasser par l'hélice isolante du mur extérieur, puis par les routeurs de flux résonants jusqu'à la batterie du condensateur numéro 5. Si les circuits du GX75B supportent la saute d'énergie, je pourrais faire la liaison avec les bobines principales et hop, l'ascenseur fonctionnera. Vin, vous êtes génial. En fait, c'était Mar, le vrai génie. Il aurait élaboré tout ce système il y a bien longtemps. Les murs protecteurs, le réseau écho. En tout cas, pour que cet ascenseur fonctionne, vous devez trouver et activer toutes les vieilles bornes écho de la zone B de la ville. Il y en a 5.
Ça me semble faisable. Oui. Sauf que ces bornes écho sont gardées par des turbocanons détecteurs de mouvement. Détruisez ces canons et réactivez ces bornes. Ensuite, je m'occupe du reste. Mais pas un mot de tout cela au baron, ok? D'accord. Il n'y a pas de problème. Donc le petit nerveux nous a dit comment réactiver l'ascenseur. Donc on va faire ça. Petite précision, j'y pensais. La dernière fois, je vous ai parlé de qu'est-ce qu'on pourrait faire après Jack 2. Donc vous étiez nombreux à vouloir Jack 3 directement à la suite. Donc on fera ça. Et après seulement, on passera à du Ratchet & Clank PS3. J'ai vu aussi que certains me proposaient de faire des Ratchet & Clank venant de la trilogie. Donc vous êtes sûrement pas au courant. Mais j'ai déjà fait les let's play de la trilogie. La trilogie HD sur, qui était refaite sur PS3, donc si ça vous intéresse, hein, voilà, les trois Ratchet & Clank sont disponibles sur la chaîne. Alors, du coup, la zone B, on est en plein dedans ou pas? Parce que c'est gentil de me dire zone B, mais alors moi, la zone B... Ok, on est en plein dedans. Enfin, en plein dedans, c'est un peu grand. On va regarder à pied celle qui est juste à côté de nous. On va voir comment ça marche, apparemment il y aurait un canon qui va nous sauter à la gorge. Donc on va se méfier. Et ensuite, on verra les autres avec un véhicule. Alors, on fait le tour. Bah d'accord, bravo. C'est pas bien vu, mais j'ai bien pris le mur, là. Allez, donc comment ça marche? Ok, comme ça. Cache-toi. Comment je peux le détruire? En plus, la caméra est contre moi, voilà. D'accord. Ok, bon, on a quand même une sacrée marge pour... Dégage. Ah d'accord, mais par contre on attire bien l'attention. Ok, on en a plus que 4. Alors le problème c'est que maintenant j'ai attiré l'attention, donc c'est foutu. Donc en gros, maintenant je me dépêche. Je vais plutôt prendre l'arme rouge d'ailleurs, qui sera beaucoup plus utile sur les canons. Allez, est-ce que le prochain est loin? Parce que sinon je prends un véhicule. Je pense que c'est pas tout à côté. On va peut-être prendre un véhicule. Quoique, il est là, non? Dégage toi. Mais caméra, qu'est-ce que tu me fais? Ok, il est là. D'ailleurs, c'est les canons qui nous tiraient dessus depuis un moment, ceux-là. Hein. Bon, ils sont très simples. Ok, il a tiré sur un civil, pas de problème. Boum. Ok, c'est plutôt simple. Aïe. Excusez-moi, pardon, voilà. Ce qu'on va faire, on va prendre un véhicule, parce que là, il commence à être nombreux derrière nous. Véhicule. Surtout un truc bien fragile qui va péter en 2 minutes, hein, pour que je rage. Sinon, c'est pas drôle du tout. Je veux dire... Voilà. Alors. Le prochain. Attention. Il est de l'autre côté du mur. Hop, à gauche. Attention, le pilier. Voilà, dégage. Il est là, lui. Il est là. On fait hop. On fait paf. On fait pouf. Et voilà. Et on reprend notre véhicule qui est quelque part. Bah, qui a explosé. Je sais pas. Il a été dissipé par les ténèbres. Mais il n'est pas explosé, le truc, là. Ah, mais il faut appuyer dessus. Hein. D'accord. J'avais pas fait gaffe. Hein. Ouais. Voilà, du coup. Tour suivante. Ceci est un mur, y'a pas de problème. Toi, je veux ton véhicule. Je réquisitionne, merci beaucoup. Il reste plus que 2 petites tourelles. On y va à gauche. Elle est où la tourelle? Ah! Attention les civils, je passe. Hop. Oulalalala, il y a eu chaud ici. Le ghetto, je crois que c'est le pire endroit pour naviguer. Hop là! Voilà, on appuie sur le bouton. Ah oui, bah excusez-moi monsieur, mais... Voilà. Reprends le véhicule. Allez, dernière tour. C'est vous. Je sens que je vais mourir juste avant la dernière tour, ça m'étonnerait pas. Vu que je perds de points de vie à chaque fois, hein, vu que voilà, ce jeu est vicieux. Allez, vite. En fait, à chaque fois que je prends un véhicule, je perds mes moyens. C'est la folie furieuse. Saloperie de ghetto là, mais refaites le goudron, c'est pas possible. Cassez-vous. Hop là. À gauche. Ah, on approche. On approche. On va essayer de le faire sans prendre de dégâts, mais. J'ai un doute. Reprends le véhicule tout de suite. Voilà, on va refaire un tout petit tour pour. Voilà, virez-moi tous ces gens là. Voilà, vas-y, appuie. J'ai appuyé. On se casse. Oui, d'accord. J'ai pas tout entendu parce que je t'avoue, je suis stressé là. Mais. Ok, j'ai eu un trophée. Je vois un objectif sur la carte, donc je m'y rends. Aveuglément. Je
sens que je vais détruire mon véhicule. Je m'y rends aveuglément. C'est juste là, c'est juste là. Ok. C'est juste ici, y'a pas de soucis. Dégage. Dégage toi aussi. Vite, vite, vite. Non, 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 me tire pas dessus. Ne me tire pas dessus. Oh, comme on a réussi! Je suis fier de moi. Ok, l'ascenseur va jusqu'aux ténèbres. Bon. Je sens que je suis en hauteur, j'entends le vent souffler dans mes cheveux. Alors. Waouh, 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 waouh. Wow. Ok, on va pouvoir aller jusqu'au palais comme ça. Donc ça, c'est super joli dans le coin. Donc là, on parle bien de la mission que la fille nous avait proposée. Hein. Est-ce qu'on a d'ailleurs un nom de mission, quelque chose? Accède au palais par l'ascenseur. Bon, bah, on est au point, là. Par contre, j'ai plus qu'un seul point de vie, donc... Je sais pas si c'est une bonne idée d'y aller avec un seul point de vie, mais... Alors, je sens que les plateformes, là, sont pas très stables. Pourquoi on peut aller par là? D'accord, J'ai pas bien la confiance, mais... Range ton arme. Oh la vache! Oh, ça me fout le vertige. Hop, ok. Il y avait quelque chose de ce côté? Non, peut-être un petit neuf. Oh là, excusez-moi. Je ne vais pas marcher là-dessus. Voilà. Aussi, là, j'ai vu dans les commentaires... Waouh, 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 waouh. Ok, 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 je m'étais pas préparé à ça. J'ai vu dans les commentaires que vous me disiez que j'ai raté beaucoup trop de crânes de Metalhead, alors je suis désolé. C'est vrai qu'il y a quelques épisodes où on m'avait dit, bon, c'est pas trop grave si tu les laisses. Et maintenant on me dit c'est super grave, donc je vais faire attention de pas les rater maintenant, parce que j'en ai laissé pas mal la dernière fois et que ça pouvait me déranger. D'ailleurs, est-ce que l'oracle qu'on a vu la dernière fois qui m'a donné des pouvoirs est capable de m'en redonner d'autres maintenant, ou est-ce qu'il faut que j'attende un autre oracle? Je ne sais pas, peut-être qu'on y fera un tour après cette mission, vu qu'on n'est pas très loin, je crois. Enfin bon, vous me direz, là on se déplace pas mal. Et également, on m'a donné une astuce pour se battre, enfin une espèce de combo de touches que je vais pas faire là parce que sinon je vais tomber. Mais genre carré, croix, carré, rond, R1, enfin. Un truc pas mal. Ah, oh, il me touche, putain. Ok, 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 on va faire autrement. Voilà, c'est bon, c'est bon. Ah, il y a de la vie en plus, c'est parfait. Alors là, je le sens bien. Donc, le combo, je sais pas si je peux vous le montrer là. Ça fait carré, croix, carré, rond, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je sais pas si c'était ça exactement, j'ai peut-être mal retenu. Mais ça a l'air sympa. Allez, boum. 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 Ok, facile, facile. Ah, mais ouvre les yeux, Jack. Faut bien qu'il y ait une tour. Prends ça d'ailleurs. Oh, j'ai plus beaucoup de munitions, que ce soit l'une pour l'autre. Ah non, 63, c'est bon. Tiens, donne-moi des munitions rouges, toi. Ou de la vie. Oh bah pour une fois qu'il me donne de la vie, le jeu. Je te remercie. Alors pourquoi là je peux pas passer là-bas? Pourquoi il me propose d'aller en bas? Ah, parce qu'il y a un 9 qui se cache. D'ailleurs, on va arriver à 20. Ah, qu'est-ce que c'était que cette feinte là? Oh, merci le checkpoint. Ah, mais c'est quoi ce jeu là? Le jeu deviendrait bien codé, bien foutu. Hop là. Du coup, on arrive à 29. Voilà, je l'ai bien vu celle-là. 29, ça veut dire qu'on aurait débloqué des bonus. On va regarder un petit peu parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Secret, où es-tu? Secret, secret, secret. Il est là. Donc, Razounon, le book de Jack, j'en veux pas. Mode miroir, j'en veux pas. Ah, c'est à 30. Jute. Mode grosse tête. Quoique, c'est peut-être le mode miroir que j'ai mis à 20 là. Tout simplement. Bon, le book de Jack, moi je veux le garder. Après, il y a plein de trucs. Oh là là, oh là là. Mode héros. C'est quoi le mode héros? Voilà, vous m'étonnez que c'est difficile de faire un 100%. Faut connaître le jeu à la base, ou alors faut avoir une solution qui me dise où sont les petits neufs. En plus, je crois qu'il y en a que je peux pas récupérer, genre c'est du début du jeu, je sais pas si je peux retourner dans les zones. Alors toi, j'ai bien vu que t'allais... Ah non, j'ai cru qu'elle allait tomber la plateforme, mais c'est pas grave. Alors, bon. Là, faut que j'aille à droite, hein. Hop. Non, mince, j'ai raté. J'ai raté mon saut. Hop. Hop. Non, 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 non. Bon, j'ai bien raté mon saut cette fois, on est d'accord. Alors par contre, est-ce que j'ai pas le droit d'aller là-dessus en fait? D'accord, je comprends mieux pourquoi il y a un passage comme ça. Ok. Ok, ok, donc en fait c'était pas du tout
optionnel de venir ici. Bon, bah ok. Bah maintenant je suis au courant, c'est gentil. Donc je comprends mieux pourquoi je suis mort. Alors, la même en mieux, s'il te plaît. Voilà. Et refais-moi un saut correct. Voilà. Oula, oula, oula. Ça, je peux pas les détruire, je pense. Mais arrête de... De tomber dans... Mais arrête! C'est pas vrai. Voilà. Tu vois quand tu veux. Voilà. Ensuite, c'est par là. Je sens que les plateformes vont tomber, donc méfions-nous. Non, elle tombe pas. Très bien. Mais... C'est quoi ce foutage de gueule? C'est quoi ça? Oh non, ça va pas commencer. Je déteste les sauts. C'est pas vrai, quoi. Bon, bah on y retourne. C'est dommage, parce que voilà, je commence bien et à chaque fois après ça part en cacahuète. Je vous jure. Mais les sauts, ouais bon, j'arrête de critiquer les sauts, vous savez ce que j'en pense. Je pense qu'on a le... La preuve sous vos yeux ébahis. Bon, vas-y. Voilà. Je suis obligé de faire le tourbillon, quoi. Ça, j'ai pas à faire un tourbillon pour faire un saut. Non mais oh. Arrêtez de tirer, je suis là. Non mais ridicule quoi. Tu vas pas retomber encore. Voilà. Tu vois quand tu veux. Je vous l'ai dit, j'aurai plus d'écho en fin de semaine. Nous la livrerons dans votre nid comme promis. Si vous ne remplissez pas votre part du contrat, ce marché n'en est plus un, mon cher baron. Je commence à perdre patience. Livrez-moi l'écho au plus vite, ou j'annule notre contrat, et j'en fais payer le prix à votre ville. Il joue avec nous! Laissez-moi lancer un assaut contre le nid avant qu'il ne soit trop tard! Je peux y arriver! Patience, commandant. Personne n'a jamais réussi à entrer dans le nid des Métalettes, vous le savez. Je sais ce que donne ce genre de plan foireux. Non, la force est leur faiblesse. Nous avons l'air démunis, mais nous les faisons manger dans notre main, et un jour... Passez à la suite du plan. Demandez à Ashlyn de mobiliser ses patrouilles. Il faut trouver ce troupeau. Mais votre fille ne s'est pas montrée enthousiaste. Ah, je vais régler cette affaire, d'une manière ou d'une autre. Ashlyn est la fille du baron? Et trouvez-moi ce gamin. Si vous aviez passé autant de temps à chercher ce môme qu'à flirter avec ce garçon manqué, ça ferait longtemps qu'on le tiendrait, le morveux. À vos ordres. Avec un peu de persuasion, je suis sûr que notre espion... Qu'est-ce que c'est? Quelle boulesse, Dexter. Ok, donc Ashlyn est la fille du baron. Intéressant. Intéressant, je peux monter sur les trucs là. Oh, je suis là. Oh, je fais la glissade. Ascenseur social. Ok, sauvegarde, c'est bon, on a compris. C'est pas la peine de sauvegarder pendant un quart d'heure, j'aimerais appuyer sur start, voilà, c'est gentil. Alors, mission. D'accord, j'ai plus de mission, je pense qu'on a terminé le jeu. Donc merci d'avoir suivi ce let's play, c'était super sympa. Et puis on se retrouve pour Jack 3. Ok, bon bah bref. Je dois aller où du coup? Par ici? Je sais pas où je vais. Mais j'y vais. On va rentrer dans le palais, on fait quoi là? Ashlyn, je suis sûr quoi. Alors, on m'espionne, c'est ça? T'étais pas venu seul à ce que je vois. Les traitements à l'écho noir te manquent tant que ça? Je vais me faire un plaisir de m'occuper de... J'ai l'impression qu'on va se taper un boss. Ok. Ok, ok, pas de soucis, pas de soucis. J'ai plus masse de mun en plus. Ah là 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 là. Ok, faut juste que je trouve comment le tuer, le monsieur. L'œuf prend très cher. Pour l'instant, je prends beaucoup de dégâts, mais c'est plus ou moins voulu. Ah, des mun ici. Est-ce qu'il y aura de la vie? Non, il n'y a que des munitions et en plus que du jaune. Comment je peux faire? Il est où en plus ce salaud? Il vise un peu tout seul mon Jack. Vas-y, on meurt, ok. Bref.
Faut qu'on s'entraîne un petit peu. Non mais prends pas des dégâts dès le début quoi. Ça par contre c'est nul. Tu vises tout seul ou tu vises pas tout seul? Attention. Comment j'esquive ça, nom de Dieu? Vas-y tire, montre-moi comment tu fais là. Et après il fonce sur moi après. Quand il fonce sur moi, je sais pas trop comment. Il fait son autre attaque là. Non il a rien fait. Ok, c'est un choix artistique peut-être. Là il me fonce dessus. Voilà, quelques charges comme ça, ça passe. Ça va être super long. Hop, hop. Ok. Je l'ai plus en visée là. Ah, il se recharge là-bas. Je peux faire quelque chose sur ça? Non, je peux pas faire quelque chose. Ok, bon. On va continuer comme ça vu que je lui ai enlevé un tiers. Donc on va éviter de perdre un point de vie dès le début. Ok. On va continuer comme ça. Le problème c'est les munes aussi. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh. Il y a de la mune là. Ok. Non, je rage pas. J'arrache pas. Il est où? Il se recharge. Misérable insecte. Dégage. Voilà. Dégage. Il est où? La caméra est un peu capricieuse. Voilà. Oh, putain, mais il m'a déjà enlevé tout ça, quoi. C'est même pas la peine d'essayer. Oh là 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 là, ça va durer un siècle. Ça va durer un siècle. Bon, on va faire quelques fails et puis après bah, ça va être l'ellipse parce que je sens que voilà. Ou alors j'ai pas trouvé l'astuce pour le tuer quoi. Parce que là... Dégage. Je fais quoi moi quand j'ai plus de mune? Voilà, bah, j'ai déjà plus de trucs. J'ai plus de vie donc ça marche aussi. Ah non mais en plus il tire... Ça se... Ah, pourquoi tu tires dès le début comme ça? Suicide-toi. J'en ai marre. Je ne veux pas me prendre le début là. C'est ridicule. Misérable insecte. Dégage. Ah, donc j'ai plus de munitions, on est content. On fait quoi? Ouais, je fais quoi maintenant, hein? C'est gentil. On sait 4 pauvres munitions là. Ouais, ça donne 40. C'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. De toute façon, j'ai pas le choix, je crois. Alors attendez, je sais ce qu'on va faire. On va faire boum. Voilà, 76, c'est pas mal. Ne prends pas de dégâts. Ça va être un combat long. On va se concentrer. Et c'est parti. Je ne prendrai plus de coups. Voilà, recharge-toi, là, y'a pas de soucis. Tire dessus, Jack, hein, fais pas de bêtises. Esquive. Voilà. Non mais tire dessus, fais un petit effort, s'il te plaît. Je veux bien que tu sais pas. Je veux bien que tu saches pas bien viser, mais bon. Il y a un moment. Oui, il faut faire attention. Attention! Allez, recharge. Oh là, c'est quoi ça? Ah mais du coup j'ai plus de munitions du tout là, ça va pas recharger les munitions? Oh, je peux aller là-bas. Oh là là, il y a plusieurs phases maintenant. Va voir là-bas, va voir là-bas. Ok, alors méfions-nous, parce que du coup... Est-ce que c'est pareil? Caméra, s'il te plaît. C'est pas pareil. Ok, génial. Génial, je suis enchanté de le savoir. Oh là 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 là. Tu ne veux rien contre moi. Ok, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge. Tu vises, Jack. Là, on a mis la moitié. Vise un peu, s'il te plaît. Ok, je ramasse après, si ça ne me dérange pas. Allez, lance-toi. Attention. Si on pouvait me donner une caisse de vie, ce serait parfait. Ok, recharge. Ok, c'est bon. Attention, 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 attention. Ok, suivant. Suivant. Je suis capable de tomber... Ici par exemple, vous voyez? Sur ces petites plateformes dégueulasses. Ok, alors déjà, il y a une caisse là-bas.
poussez-vous, s'il vous plaît. Oh oui. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça, maintenant? Qu'est-ce que c'est que ce tornado, là? Dégage, dégage, dégage. Il est où? Tornado. Tornado. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il est où? Ah là 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 là. Non, 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 non. Écoutez, c'est quoi ce bordel? Il est où? Il est où? Caméra, aide-moi. Ah! Il y a des caisses là-bas. Il y a des caisses. On va voir les caisses. Arrête, caméra. Il y a pas de vie. Il y a pas de vie. Je suis foutu. Voilà, je rage. Et je rage, et je rage, 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 je rage. Ah! Saute, saute, saute! Dégage, 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 dégage! Mais what the fuck? Mais n'importe quoi! C'était quoi ça? Ellipse! Bon, alors j'en suis à la partie numéro 3. Là, j'ai plus beaucoup de munitions. J'ai pas perdu trop de vie. Ouais, j'ai perdu un seul point de vie. Ça risque d'être chaud. C'est pas évident. Le problème, c'est surtout le manque de munitions qui m'inquiète là. Donc, va falloir que j'aille rapidement à droite. Là-bas, c'est un point de vie qu'on voit en face, mais il va lancer ses tornades tout de suite. Donc, il va falloir qu'on aille se planquer. Voilà, on va éviter ça et après, on va chercher les munitions. La caméra est vraiment désagréable parce qu'elle essaye de le suivre. Et du coup, c'est la galère. Est-ce que je peux sauter là? Oui. Ça sert à pas grand chose. Il se recharge là, je crois. Je peux pas marcher sur ça, je pense. Si. Si, je peux, ok. Il est où là? Il est là-bas. Ok, ça va être assez chaud. Ok, ok, voilà. Il prend assez cher par contre. Ah là 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 là. Ok, va chercher la vie, va chercher la vie. Voilà. Allez, vise, vise, vise. Ok, on esquive, on esquive. On marche là-dessus. Vas-y, 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 vas-y. Je suis un peu en mode stress par contre là, parce que j'ai. Bon, j'ai pas trop. Ah! J'ai pas trop fail, mais là je commence à le faire. Meurs, meurs, meurs. Il est mort, il est mort, il est mort. Titre activé. Ok, bon. Ok, c'est bien. Ok, on s'en est sorti. Les pouvoirs que je t'ai donnés ne te protégeront pas éternellement. Je t'ai créé. Je peux aussi te détruire. On se retrouvera. Eh, c'est ça. Au revoir. Ouh, c'était assez chaud. Bon, j'ai failli y passer quand même là sur la fin parce que c'était un peu quitte au double de rester au corps à corps avec lui. Bon, on reprend ça. Ne le laisse pas s'échapper. Ouais, bah j'ai quand même. Je suis mort plusieurs fois, hein, mon pote. Et ouais, c'est lui qui nous a créé, t'es gentil, mais il peut nous détruire. Bon. À mon avis, voilà, c'est pas fini. On va le retrouver. C'est un personnage important donc. Oh, et on nous donne une petite herbe pour finir. Oh, quelle surprise. Quelle récompense. Alors, par contre, niveau mission. Qui je dois aller voir? Consulte Thorn, d'accord. Allons voir Thorn. Hop. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir une petite explication sur le fait qu'Ashlyn soit la fille du baron. Ça pourrait nous être utile. On atterrit où, du coup, là? Où est-ce que je suis? Accès autorisé. Ok, la caméra m'a fait un drôle de truc. Il fait un temps de chien. J'ai une arme, bonjour. Ouais, donc on va aller voir Thorn. Est-ce qu'on est loin de Thorn? On est un petit peu loin quand même, hein. On n'est pas tout à côté. Donc prenons un véhicule. Un véhicule de préférence solide et de préférence qui n'appartienne pas aux méchants. J'ai pas vu de crâne de Metal HUD. Donc pour l'instant, je peux pas en récupérer. Bon, je peux pas prendre un solide parce qu'apparemment, il n'y a pas de solide. C'est pas grave. Alors, c'est parti. Aïe. D'accord, ça commence très très bien. Ça commence très très bien. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà. Je prends tous les murs possibles et imaginables du jeu. À droite, s'il te plaît. Oh, puis en plus, c'est là, un truc piétonne, là. Je suis foutu. Je suis foutu. Comment voulez-vous que je m'en sorte? Allez, dégage. Dégage. Est-ce que je peux sauter? Oui. D'ailleurs, on est à côté de la vieille, là, ou pas?
Non, pas mission, s'il te plaît. Pas mission. Ouh, carte. Je veux la carte. Ouais, on est à côté de chez la vieille, mais bon. C'est pas marqué en objectif, je vais pas m'amuser à y aller. Allez, on sort de cette rue piétonne, là, qui m'empêche d'aller vite. C'est par où? C'est par là-bas. Je suis le pont, en fait, sur la carte, l'espèce de truc gris. Évite de prendre les murs, ce sera intéressant. Range ton arme, ça me stresse. Ah là là, il me stresse. Bon. On aura réussi à pas faire trop de fail, hein. Finalement. Je pensais que ça me ferait rager plus que ça. Et une fois les astuces trouvées, on s'en sortait bien. Mais bon, les revoir en chaîne la première et la deuxième phase, c'était pas très intéressant pour vous. Donc l'ellipse, c'était quand même mieux pour vous. Oui, on va se sacrifier pour le baron, il n'y a pas de souci, c'est normal. Moi, je suis 100% d'accord. Ok, on arrive au ghetto. Tiens, toi, tu dégages. J'ai écrasé le méchant, mais c'est pas grave. De toute façon, on arrive. Eh oh, faut tourner. Alors, est-ce que Ashlyn est ta sœur par hasard? Parce que ça m'étonnerait pas. Dégage. On aurait besoin d'explications, monsieur. Ouvrez la porte. La ville est en alerte maximale. Qu'est-ce que vous avez fait, tous les deux? Nous? Rien. On s'est juste baladé un peu. Hein, Jack? Vraiment? Alors pourquoi est-ce que la Grenagarde cherche un dangereux jeune homme blond portant une tunique bleue avec un rat enragé orange sur l'épaule? Ça pourrait être n'importe qui. Le orange fait un tabac cette saison. Écoutez, on a escaladé le palais du baron et on a déclenché quelques alarmes. Ah oui, ça aussi. Quoi? Je n'ai pas autorisé de raid sur les... Eh, on a botté le train du baron. Malheureusement, il s'est enfui. On a surpris une conversation secrète avec le chef des Metalheads. Vous avez vu le chef des Metalheads? Non, il était en communication. Mais on a entendu sa conversation avec le baron Praxis. Le baron achète les Metalheads avec de l'écho. Cela ne suffira pas. Mais le baron va les entuber. Vraiment? Eh bien, le charme de notre bon baron a dû énerver quelqu'un. Car d'après une rumeur en provenance des terres pelées, les armées de Metalheads se sont remises en marche. Pourquoi vous ne m'aviez pas dit qu'Ashlyn était la fille de Praxis? Quels sont vos liens avec elle? T'occupe! Puisque vous avez fichu la pagaille, vous et votre copain à moustache allez accompagner 4 de nos agents en lieu sûr. Conduisez chacun d'eux là où il vous l'indiquera. Je ne veux aucune victime. Ne manque pas cette mission, Jack. D'accord, donc la mission ça va être d'escorter 4 types. Lui, il paraît de plus en plus chelou avec sa Ashlyn, là, il veut pas nous dire... quels sont les liens entre eux, c'est un peu bizarre. Et on retrouve le vieux et le gosse qui est apparemment important, donc on va le protéger, je sais pas, enfin on les laisse ici, ils sont bien. Donc allons escorter 4 types, il paraît qu'il faut pas de victimes, c'est pas trop mon truc de pas faire de victimes. Mais bon, pourquoi pas. Oh non. Oh, c'est pas vrai. Ça gâche tout ça, ce timer. Mais monte. Vos dons serviront à toutes sortes de besoins humanitaires. Qu'est-ce que tu veux là? Bon, voilà. Fusil, bien, armure, juste à temps. Recherche en transformation. Super. Super. Et ça y est, on est déjà repéré. Comment ça se fait qu'on soit repéré? Voilà, je te mets ici, ça te va? Tu es arrivé. Merci. C'est pas merci, connard. Ok, génial, j'adore cette mission là. Je suis enchanté de terminer l'épisode avec cette mission. Ça va être un plaisir, un plaisir. Mais ça... Ouh, trop de bonheur. Allez, monte. Mais monte. Voilà. On dirait les prostituées de GTA quoi. Faut les klaxonner. Faire quoi? Allez, dépêche-toi. Ah, stop, c'est là. Pourquoi on se fait tirer dessus quoi? On n'a pas le droit de faire une mission d'escorte tranquille. Déjà que c'est assez compliqué pour moi, si en plus on me tire dessus. Allez, poussez-vous. La mission est un peu useless, hein, parce qu'ils sont quand même à... Je sais pas, à 5 minutes à pied. Mais ils ont besoin d'un chauffeur. Prenez le bus, faites, je sais pas. Enfin, prenez un taxi. Ou vas-y en marchant, hein. C'est un peu... Voilà, je sais pas, c'est un peu old school, mais tu verras, ça marche. C'est arrivé. Merci. Ok, merci. J'ai changé de voiture, hein, ça t'embête pas.
Merci. Alors, bonjour les gars. En plus, j'ai plus de masse de munitions. On prend l'arme rouge là pour me défoncer. Ah non, pas le canon, pas le canon. Voilà. Non, pas le canon. Ok, 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 ça va, ça va. Je fais abstraction du timer. Dégage, toi. Ok, salut. Tut tut. Tut tut. Dépêche-toi, lève-toi. Tut tut. Bouge ta fesse. Oh, ça y est, il est bloqué. Dépêche-toi, c'est pas possible. Je t'emmène là-bas. Non, évidemment, c'est de l'autre côté. Dégagez. Place. Regardez, c'est à côté. Pourquoi tu n'y es pas allé à pied? C'est plus dangereux de monter avec moi qu'y aller à pied, hein. Je vais pas dénoncer, mais... En fait, je conduis des suicidaires à la mort. Nous sommes arrivés, monsieur. C'est juste de l'autre côté de ce mur. Vous saviez, en 5 minutes à pied... Et en courant, 3 minutes, hein. À peine. Allez, dégagez, là. Voilà. Je peux même pas lui tirer dessus, quoi. C'est bon, t'es arrivé. Merci beaucoup. Le suivant, s'il vous plaît. Il est de l'autre côté. Faudrait que je change de bagnole, aussi. Dégagez. 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 Ça y est, j'ai plus de munitions rouges, ça m'inquiète. Parce que c'est quand même bien pratique. Allez, mais avance, voiture, là. On va changer de bagnole, hein. Voilà, allez, vite. Quoi? Pourquoi je suis mort, là? Ok. On va faire un nouvel essai. Un nouvel essai. Et si ça marche pas, eh ben ce sera l'ellipse, parce que j'adore les ellipses. La deuxième de cet épisode. Voilà. Ma princesse monte. Voilà. On l'emmène au prochain château. Et voilà. Et ça active les gardes. Sans aucune raison valable. C'est arrivé. C'était difficile, hein. Allez, boum. Bon, moi, je sais maintenant à peu près où aller. Une fois que j'en ai posé, hein. Je sais où est la suite. Allez, à droite, la prochaine princesse. Voilà, dégagez, s'il vous plaît, dégagez. Monte, 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 monte. Dégagez, monte, monte, monte. Voilà, merci beaucoup. Allez, c'est par ici, la suite. Non, c'est pas par ici. Ah là 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 là. Une seconde, je disais que je savais où était la suite. Mais en fait, non, pas du tout. On change de véhicule dès qu'on l'a posé, lui. Je tire comme un malade dans le vide, mais c'est pas grave. Accélère, voiture! Voiture! Allez, on y va! Super! Super, super! Il est là, mon pote. Allez, monte, monte, ma princesse! Monte! Je sais pas, fais quelque chose! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai perdu ma princesse! Monte! Allez! Eh bah dis donc, j'ai le temps de me faire casser la gueule de 10 000 fois. Alors là effectivement je rage, hein, parce que c'est la mission qui sert à rien, quoi. On te donne ça, entre deux trucs. Nous on parle du baron, on parle du machin, on veut savoir ce qui se passe avec Ashlyn et le mec Thorn là. La petite vieille et ses objets précurseurs, on n'a pas pu la voir. Mais entre temps on te demande, tu peux escorter 4 mecs qui sont pas capables de faire 100 mètres à pied s'il te plaît. Ce serait sympa. Merci beaucoup pour ta patience. Allez, descends de là, princesse. C'est ici que je descends. Voilà. Allez, on y va. On y va, voiture. Tu vas casser, hein. Oh oui, tu vas casser. Oh oui. Et je perds de la vie à chaque fois, ce qui veut dire que bah, la prochaine fois que je tombe du véhicule, c'est la mort. C'est... Oh, merci de m'avoir poussé. Bon, il en reste deux. Écoutez, si ça passe pas, hein. Ça passera pas, quoi. Allez, princesse. C'est ici. Alors, regarde, je suis là, hein. Je suis là. Je vais pas monter parce que c'est pas avec la plusieurs, c'est ça. Hein. C'est ça, tu fais ta difficile. Regarde, regarde, j'en ai trouvé un autre. Tu montes. Tu montes. Mais monte, nom de Dieu. Eh bah, allez, non. Allez, il reste plus qu'une minute. C'est bien, j'ai tellement pris de coups là que mon véhicule, il va pas tarder à péter. Sent bien comme ça. Allez, dégagez, dégagez, dégagez. Arrêtez de me tirer dessus. Laissez-moi conduire. Ah là 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 là. Trop de rage.
tellement de rage. Ce jeu, c'est un jeu qui fait rage. Voilà, t'es arrivé. Merci beaucoup. Je change de véhicule, si t'embêtes pas. Ne me tirez pas dessus en attendant, merci. Allez, c'est parti. C'est le dernier. Tu fais un petit effort, le jeu. Tu me laisses gagner. Il me reste plus qu'un point de vie. Enfin, deux, mais techniquement, je me suis fait tirer une fois dessus et c'est fini. Parce que deux points de vie égale la mort, en fait. Dégagez, je peux pas leur tirer dessus en fait, ça passe au-dessus. J'imagine que le dernier, il va être bien chiant en plus. Il est bien dans un cul-de-sac. Salut princesse, tu montes. Dépêche-toi. Dépêche-toi, voilà, ok. C'est par où il faut que je t'emmène. Super loin j'imagine. Non, là, vers l'ancien en fait. Tu te fous de moi, tu te fous de moi. Dégagez, 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 dégagez. Ah mais c'est super loin, c'est dans la flotte. D'ailleurs, il y a l'oracle là-bas. Si j'arrive à cette mission, peut-être que on ira voir l'oracle. Tiens, remonte, redescends, remonte. C'est là-bas, je vois le faisceau lumineux. Redescends, remonte. Ah non, 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 pas de bêtises. Non, ne me tirez pas dessus, s'il vous plaît. C'est là, c'est là. C'est là, avance. T'es arrivé, t'es arrivé, t'es arrivé, t'es arrivé, t'es arrivé. Saute! Vous sentez le foutage de gueule ou pas? Est-ce que vous le sentez? Est-ce que je le sens bien le foutage de gueule? Je fais une ellipse et on se retrouve ici, hein? Bisous, bisous! Ok, les amis, je crois qu'on va y arriver cette fois. Donc, après quelques essais, pas du tout en fait. Hein? Après, pas du tout. Donc on va recommencer une petite fois, il n'y a pas de souci, je rage pas. Tout va bien. Ok, on va peut-être y arriver, c'est mon dernier pote à escorter dans la zone la plus dangereuse du monde là. Allez, 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 on y croit. J'ai recommencé 3-4 fois, je suis mort à chaque fois au dernier. Allez, c'est la bonne. C'est la bonne. C'est bon, t'es arrivé mon pote. Descends, descends, descends. Descends. Ok. Ok, on a réussi. Faut que je fasse quoi? C'est gentil. Je vais voir Thorn. Ridicule quoi. Allez voir Thorn. Ok, bah je vais voir Thorn, y'a pas de soucis. Tous les membres des souterrains sont sains et saufs. Rentrez à la cachette. J'ai une nouvelle mission à vous confier en attendant que ça se calme. Ok, waouh. Je veux bien rentrer chez toi, mais d'abord je vais voir l'oracle. Il me faut d'autres gemmes crâniennes. D'accord. Il en veut 200. Bon, il en veut 200. Il me faut d'autres gemmes crâniennes. Tu l'as déjà dit, monsieur. Donc, on va se laisser ici, parce que du coup, je vous avoue que j'ai recommencé déjà la mission avec le... Enfin, avec le baron. Et cette mission-là plusieurs fois. Ça fait plus d'une heure que je suis dessus. Donc, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu, parce que du coup, bah... Ça avec une durée un peu plus longue. Je sais pas trop à combien je suis avec les ellipses. Je dirais 45 minutes, mais bon. J'espère que ça vous aura plu. La prochaine fois, on va retourner voir Thorn pour voir ce qu'il en dit. Parce que c'est quand même bizarre. Enfin, c'est pas clair, cette histoire avec la fille. Pourquoi il... Enfin, c'était la fille du baron et on l'a quand même aidé. Enfin, je sais pas. Après, la fille a pas l'air d'être à fond sur ce que fait son père, donc... Peut-être qu'elle est de notre côté. Bref, on verra ça la prochaine fois. J'aimerais bien aussi qu'on aille voir la petite vieille chelou et ses trois objets. Parce que du coup, on les a récupérés, mais ça sert un peu à rien. Donc j'aimerais bien savoir à quoi ça sert. On se retrouve la prochaine fois pour découvrir tout ça. D'ici là, portez-vous bien. Et à bientôt tout le monde. Salut.